et suspendre immiscer dans affaire la justice pays. Et c'est grave parce que la majorité de magistrats, c'est des professeurs dans l'université. Bien que moi, j'ai commencé à remettre des démissions dans une série d'universités privées et dans l'université de l'État. Comment on parle de mon étudiant, pendant ce temps, on a dit tout le temps qu'il faut faire travail avec équité, ou qu'on a prêché la moralité, ou qu'on a dit qu'il faut le servir avec le code pénal, avec la constitution, comme boussole, comme moi pour faire travail. Et puis, c'est spectacle ça que vous voyez que vous avez fait. Il faut nous dire que, il faut nous offrir notre image. La jeunesse. Mon capital est riche en plein public. Parce que nous avons regardé ces deux jeunes garçons qui sont dans l'État, qui a touché 25 000 gouttes, 50 000 gouttes, et puis l'arrivée dans le restaurant, dans l'espace où est, c'est champagne qui piche qui sous table, c'est cognac, whisky qui piche qui sous table. Et bien, ça a frustré notre jeune garçon. Et jeunesse là, c'est un bon modèle pour eux. Ils ne peuvent pas rentrer dans la mauvaise activité. Même si nous sur tous les réseaux sociaux, on ensemble de chefs de gang à étaler la richesse qu'ils ont fait sur le kidnapping sur les réseaux sociaux de la population. Qui image? Même si nous avons fait des bagages qui ne sont pas bons dans la société, mais au moins, nous avons un petit honneur pour nous offrir ça à jeunes garçons, à jeunes femmes qui ont vu autour de nous dans le quartier populaire qui probablement par le kidnapping, par la question assassinat, qui par la gang. Et nous avons demandé des CPJ à travers les BAC, Bureau des Affaires Criminelles, qui ont tenu compte de ça pour éviter ce genre de monde et étaler à voir sur les réseaux sociaux pour demander côté aujourd'hui. Je fini pour me dire, société haïtienne, que le proverbe 4, verset 34, verset 34, il dit que la justice élève une nation. Tant vaut la justice, tant vaut la société. En société, c'est notre justice ça que nous avons offert, eh bien, nous ne pouvons pas avoir une bonne société. Et nous avons demandé avec les magistrats de changer de pratique. Merci. Et nous avons demandé tout pour le système judiciaire là, pour avoir une bonne condition. Avec juge, pour un bon salaire et pour un bon avantage sociaux pour ne pas rentrer dans la corruption. Et m'a fini pour me dire que bon juge prend sanction contre lui là, non certifié lui. C'est juge Axtra, mon site Aximé, et juge ça n'a pas de la justice pour poursuivre lui. Parce que c'est un juge qui a un dossier Petro Caribe à l'Omel qui fait un pile mauvaise affaire, un pile coup de mal taillé pour essayer de blanchir un ensemble de Petro dilapidateur. Et nous avons la nouvelle dynamique qui va là dans le pays. À très bientôt, la nouvelle structure politique qui va là, et même pour la justice capable de faire appel pour les juges à mon site, la justice pour qu'elle vienne dans le pays. Merci. Nous voulons vous mettre en pile. Faites pas vous-même, par contre, vous avez bataille. Vivez avec un pile tristesse que nous démarrons l'année politique. Là. Parce que nous avons gardé un ensemble d'apatrides, un ensemble de conseils qui, dans le gouvernement Ariel Henry, qui est illégal et inconstitutionnel, a traité un ensemble de militants qui commet, qui bataille pour changer la vie, peuple haïtien, monde qui pi mal yo, qui bataille pour changer la vie. Yo. Et les m'a regardé spectacle qui fait champ de mars dans début année 2023, mais même comme militant politique, comme un monde dans SDP qui proche militant en pile, qui travaille avec eux en pile, ça fait mal juste dans zo parce que moi, ouais, ensemble d'apatrides, ensemble de conseils, déshonorer militants, humilier militants, pour un petit chèque. Et militants ont le droit de jouer un chèque là. Et militants, ils ont qualifié pour jouer un chèque là parce que les gens qui l'emportent de façon illégale, c'est sous deux militants. Au contraire, militants ont plus mieux placé pour leur espace ça. Parce que vous faites 5 ans boumé face à régime PHTK plus 5 ans et matériel.
plus 18 mois Ariel Henry. Eh bien, n'a demandé avec ensemble de militants ça yo pour ramasser caractère yo pour ramasser dignité yo. Parce que Jean président Aristide toujours dit sous pas kembe dignité yo, sous pas sauver dignité yo, dignité yo a sauver kito. Et m'a demandé tout camarade moi au niveau Champ de Mars kembe dignité nous pour dignité nous pas pour quitter nous. Pas quitter au traîner nous dans la boue. Nous même la SDP nous pas en pratique ça. Nous connaissons tout militant goumen, il y a un droit. Mais même là, il n'y a pas de goumen, parce que grand pile monde dans le pays a pas de goumen, mais il y a un droit pour vivre, il y a un droit pour travailler. Parce que c'est l'État même, monde qui a l'État. Le monde qui a l'État, c'est des serviteurs publics. Ils sont là pour créer opportunité, la sécurité pour jeunes garçons et jeunes femmes capables de travailler dans le pays. Et je ne suis pas capable de finir sur l'autre dossier qui est triste encore pour l'année et 2023. C'est un spectacle que nous avons gardé, que nous avons poursuivi dans la justice noire. C'est vrai, nous avons besoin de justice qui est forte. Nous avons besoin en réforme en profondeur dans la justice noire. Nous avons besoin pour la politique là, pas rentrer dans la justice là, parce que, pas oublier, la justice là, c'est une dans trois pouvoirs, la justice. C'est vrai, nous avons besoin de justice équitable. C'est vrai, nous avons besoin de justice dans toutes 18 juridictions. Et c'est pas jour et jour, certification, non-certification juge a fait dans le pays. Mais je regarde là, liste là qui a environ 32, d'après l'information que nous jouons, il a continué à faire enquête. Et bien c'est grave. C'est crève-cœur pour que j'en ai gardé. Justice noire, applotter le marché de la patate, le marché en bas, applotter le marché de la 5e avenue pour l'âme véritable, applotter sous deux mondes, le marché mango, sous bicentenaire, pour mango. Eh bien, nous ne pouvons pas offrir, avec le magistrat, nous ne pouvons pas offrir jeunesse là, spectacle ça. Dans quatre batailles, peuple a été fait en 2022, SDP qui campé beaucoup. Nous avons accompagné le peuple dans la mobilisation qui a fait un peu partout. Des mobilisations pacifiques, des mobilisations qui respectent les normes démocratiques. C'est vrai, adversaires politiques ont des piégés de mobilisation. Et c'est peut-être ça, il faut que nous réfléchissions sur le mode de mobilisation pour nous déclencher aujourd'hui. Parce que les négociants voulaient. Ils ont fait bandit créer la terre. Les Anglais ont fait bandit entrer, infiltrer la mobilisation peuple. Ils ont fait un discours de bail blanc. Nous sommes intelligents, nous avons travaillé. Et nous sommes toujours à gommer contre l'insécurité. Et tout le monde est capable de faire SDP. Nous sommes le seul groupe politique qui a toujours dit Jean-PHT qui a mené le pays, l'a mené vers. Nos situations même déjà à Somalie. Effectivement, chose qui se fait, PHTK a mené le pays à la salle. Et c'est pour raison ça, nous avons toujours convoqué acteurs pour nous chercher une solution tête ensemble. Acteurs réticents. Mais je dis à Foyou d'accord qu'ils sont responsables. Parce qu'ils ne parlent pas de chita ensemble. Nous disons qu'il faut que chita ensemble pour nous retirer le pays à la salle. Par rapport avec toute bataille ça yo, et que me dit nous qu'un bon bilan satisfaisant pour 2022 ou 2023, nous parlons de combat, nous parlons de bataille. Parce que le peuple est sous nos côtés. Le peuple est nous entendu. Et montrer ça, l'un qui était accord en septembre en août 2022. Pas de jambes, aucun mouvement en un pays, des mouvements pacifiques. Côté peuple a protesté contre une série de décisions. Mais pour SDP dit devant, un peuple attendait. Je dis à nous dire SDP sont gros outils. Son outil de combat, son outil de protestation, son outil qui accompagne le peuple. Mais par coup SDP sorti de Biakaye, nous avons pris une fois. Parce qu'il y a un peu de mauvais anguille
qui jouent dans la bataille peuple. Et je dis à 4 jours à questionner non ça. Dirigeants à questionner non ça. Population à questionner. Soubaï ça. Après en pile réflexion, nous avons contacté un groupe qui est spécialisé dans la question chiffres, statistiques, sondages, qui est le groupe technologie, statistiques et solutions. Côté nous commandité un sondage pour demander à la population est-ce qu'elle est d'accord pour nous changer nom SDPA ou bien est-ce qu'elle n'est pas d'accord et s'il est d'accord pour qui raison, etc. Et nous promettons dans un mois et demi, il n'y a pas de résultat d'enquête. Ça veut dire nous dit, militants nous un peu partout à travers la République. Diaspora, nous avons attendu de relever notre téléphone pour poser nos questions sur ça. Nous avons rencontré nous pour poser une question sur ça. Nous libres pour nous répondre. Parce que SDP pas bien privé pour monde. C'est pour le peuple. Et ma prédit encore, si nous optons pour changer, là pour changer. Parce que c'est nous faire SDP, c'est pas nous faire. Ça veut dire, nous avons tant de résultats nous, dans un mois et demi. Et nous avons dit la presse de façon véridique, mais ça a sorti dans le sondage. Par rapport avec ça, nous gagnons pour 2023. Nous allons déclencher une consultation générale en Namibie. Nous allons virer pays. Département. Nous allons parler avec cadre nous, militants nous, un peu partout. Nous allons questionner, nous allons dialoguer avec eux pour nous connaître qui forme mobilisation pour nous enclencher pas trop longtemps pour nous permettre de résoudre le problème qui va. Nous allons parler avec eux. Nous allons demander qui gens pour nous faire mobilisation plus bien, pour le plus efficace. Et pour Blanc n'a pas dit que c'est bandit qui a fait mobilisation. Et pour Blanc n'a pas dit que la Pkembe Ariel parce qu'Ariel montait pour Gaza sous côté de l'estomac peuple. Ça veut dire que nous pouvons parler avec le peuple pour nous faire une mobilisation plus efficace, plus dynamique. Et en même temps, tout, nous avons profité de rencontrer une série de personnalités importantes en notre pays. Pour nous réfléchir parce qu'il y a un problème qui pose. Je dis à une offre politique que le peuple a demandé. Bon offre politique que jeunesse a demandé. Yo désespoir. Yo perdu tout l'espoir net. Yo besoin de des dirigeants politiques qui disent que vous allez à pays. Et c'est peut-être ça, SDP va évoluer. Probablement, si c'est même nous, ils sont l'autre nom. Pour ne pas seulement rester dans la protestation, mais non seulement pour la dénoncer, mais ne pas proposer solution. Ça veut dire que nous allons passer dans l'autre. Et nous avons dynamique. Nous ne pouvons pas seulement dire à la Vichelle, nous avons dit, mais comment on peut résoudre le problème de la Vichelle? Question éducation, nous avons dit, mais comment? Nous ne parlons pas d'éducation, pas, mais nous l'éducation pour tout petit pays. Nous avons cité soleil, nous la saline, quel que soit le côté, vous pouvez bénéficier de l'éducation. Nous parlons d'éducation, pas. Pour étape Israël, nous avons une éducation, pas. C'est une éducation à grande vitesse que nous avons besoin. Peut-être vite, une sortie. Ça veut dire nous prenons le travail. Et le travail, ça a eu besoin de participation de tout le monde. Et dans ce sens, moi, sommet élite pays, moi, sommet professeur université, moi, sommet étudiant, intelligent, compétent, pour accueillir des machins avec un pile chalet. Parce que nous-mêmes, nous allons être une mission pour le tuer pays à l'Israël. Et nous avons pris. Nous ne sommes pas chercher des avantages, qui retourner chercher des avantages pour gérer propre tête. Nous prenons une mission pour les tirer bien. Nous allons parler avec tout acteur autour pour permettre que nous demandions au Conseil de sécurité des Nations Unies qui prend le dossier Haïti. Nous allons parler avec tout acteur. Ça qui voulait, ça qui pas vu dans la vidéo, pour nous parler avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous demander. Dans la prochaine réunion, ou bien organiser une réunion spéciale pour l'opposition participer dans la réunion. Nous-mêmes, journalistes, on a constaté ça. Si c'est démocratie vraiment qui gagne dans les Nations Unies, ou pas qu'à faire une réunion
sous Haïti, côté Jodia, pas y a aucun dirigeant démocratique là-dedans, pas y a aucun dirigeant légitime là-dedans, pour avoir réuni sous Haïti, pour c'est seulement le gouvernement de facto à prendre. Faut opposition y a place. Vous tendez. Ça importe. Parce que c'est des gens qui baillent Conseil de sécurité à l'information, c'est gouvernement PHTK de facto avec ça. Nous allons travailler dans ce sens. Nous avons questionné tout en même temps le comportement international. Nous n'avons pas de problème avec l'international pour l'aider, pour l'accompagner. Mais nous n'avons pas à comprendre la forme de politique qui a mené. Un, nous avons gagné le pouvoir. Je dis qu'il n'y a pas qu'à venir entendre. Deux, il y a pris des mesures pour nous. Nous ne savons pas sur qui base, sur qui méthodologie qui est open. Qui ça après? Vous avez pris des décisions, vous ne pas dire après qui ça. Je dis à lui, il est inacceptable que vous pensez même pouvoir PHTK, il est capable de juger pouvoir PHTK encore. Il n'est pas possible. Quoi de logique là? Je pense que les gens dans l'international, ils vont viser. C'est méchanceté à faire avec Haïti. Et c'est raciste. Parce qu'ils voulaient que les peuples noirs s'arrêtent dans la misère. Ils prennent l'exemple de nous, comme des gens qui sont incapables, comme si nous n'étions pas humains. C'est ça qui fait que nous occupons nous, nous faisons intervention. Il faut me dire en 2022, SDP de combien contre intervention. Nous ne disons pas non à la coopération. Nous voulons coopération. Et c'est peut-être ça, avec la bataille SDPA, même Ariel, Premier ministre, de facto, nous fait changer de discours. Il a écrit pour demander occupation, pour demander intervention. Le 1er janvier, il dit, il est support demandé, il est assistance demandé. Mais toute intervention, toute communication là, arrêtez là. C'est SDP sous la forme marché. Oui, oui. Ça veut dire, Jodia, tout le monde d'accord qu'il faut qu'on accompagne la police. Bah, la police assistance, tout calme. On doit respecter la souveraineté. Parce que les gens ne sont pas venus faire passer pour bête. C'est les gens. C'est empêcher nous de développer le pays. Parce que le pays a marqué l'histoire de l'humanité. Capable de retirer le peuple dans la misère. Pas qu'à seule option qui se voyage. Je dis à nous répondre Biden tout. Nous n'avons pas de problème pour Haïtiens à chercher la vie mieux. Parce que nous avons fait payer à tout le monde en fait. Même si Biden, quand nous offrons 30 millions, 30 000 Haïtiens par mois, ou bien l'autre nation, etc. Mais entre temps, nous avons des jeunes garçons qui partent à l'arrêter leur droit, qui ont besoin de former tête sur le pays. Bande de bourses. Nous disons pendant qu'on offre le monde pour aller l'autre droit, mais nous avons besoin de tout. Pour garder les Haïtiens qui sont sous frontière mexicaine, qui sont humiliés. Parce qu'il y a des gens qui paient des gens aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faut qu'ils traitent Kaiwa d'abord au Mexique. Et puis à penser avec l'autre. C'est pas seulement offrir nous ça. Comme je dis à ceux qui contrôlent la police, là, ceux qui contrôlent Ariel. On met en forme 4 à 5 000 policiers pour nous capables de battre contre la sécurité pour payer à vivable. Ce n'est pas mystère, ce n'est pas magie. Les États-Unis font le travail. C'est la paix qui vient, c'est la sécurité qui vient. Et puis ils créent l'entreprise. Ce n'est pas magie. C'est la paix pour gagner. Parce que l'économie parfaite dans des ordres, c'est stabilité qui va être croissance à développement. Ça veut dire une besoin de stabilité avec la paix. Pour nous capables de jouer, petit placard, nous capables de jouer travail. Et c'est peut-être ça, nous engager dans le combat. Ça. Nous disons. Nous disons. Dans quatre batailles que nous avons menées, nous-mêmes, nous gagnons engagement. Pour presser. Nous jouons un accord politique. Pas un accord politique. Après bagaille 21 décembre, nous avons parlé. J'étais à nous. Peuple a retrouvé là-dedans. Et m'a dit nos bagailles. Peuple ici. Où vive l'histoire?
Même que Ariel t'a pensé que... Merci. Avec Peba ici. Merci avec journaliste conséquent qui l'a. Moi salue la population haïtienne. Moi salue les militants et qui sont vivant une année extrêmement difficile. Moi salue les journalistes et qui sont vivant une année extrêmement difficile avec en pile difficulté. Camarade Benel Sotio, l'on prend taux d'inflation, on prend taux dollar, on prend chômage, on prend la vie chère, on prend question gaz, ça nous pour l'eau, châtiment, peuple la beauté et journalistes. Mais ma profiter occasion, pendant qu'on a démarré l'année 2023, vous demandez à la corporation journalistique là, le service. Moi connais que dans nous, tout est en pile d'effort. Il y a l'école qui forme les têtes. Moi connais que des journalistes professionnels. Moi connais que des gens qui font travail avec équité. Avec un pile discipline. Mais ma petite nous tout. Il y a des gens qui baillent tête, petit journaliste, qui a fait payer en ville. C'est des gens. Leur abgardé ou le travail qu'il a fait, ou pas son travail professionnel. Et nous connaissons SDP qui a plus de respect pour la presse, a plus de respect pour les journalistes professionnels. Mais il y a des gens qui n'ont pas gagné. Éthique la question, je crois année 2023, nous devons changer. Parce que je regarde notre pays, les des journalistes qui voulaient attaquer une personnalité politique, ou bien qui voulaient faire dossier son personnalité politique, ils ont fait enquête. Ils viennent avec prière. Moi-même, je suis victime. Côté PHTK, dépenser des millions pour massacrer caractère. Et je crois que je dis à l'important pour les journalistes conséquents de continuer de travailler pour le métier de sa vie. Parce qu'il y a plein de monde qui a pris un métier à d'assaut pour les affaires et pour chasser ou pour détruire l'adversaire politique pour ça. Et je considère les journalistes qui dit qu'être journaliste, ils ont plus mal que chef bandit qui gagne dans le quartier populaire. C'est des bandits habillés. Oui. C'est des bandits qui proposent et qui ont monté le dossier sur n'importe qui. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas fait aucun travail à titre mécanique de façon professionnelle. Et c'est peut-être ça va prendre des peuples haïtiens. Nous attendons des nouvelles. Choisis qui nous donne. Choisis qui média vous donne. Choisis qui journaliste pour faire confiance. Parce que définitivement, il y a plus de monde qui a pourri le métier journaliste. Mais nous-mêmes qui l'avons, il y a plus de respect pour nous, pour nous, et nous connaissons très bien que c'est des professionnels et qui ont fait le travail. Nous avons plus de respect. Nous devons respecter le monde qui a fait le travail. Je dis à Jean, DJ Benel Sotila, camarade Darin Sotila, son conférence historique. Parce qu'il a commencé l'année politique là, mais une année politique qui est extrêmement difficile. On a d'accord avec moi, je dis à pas où est le pays. Pas de personne qui est légitimement dans le pays. Mais il arrive à écraser le pays, il réduit le pays avec des cadeaux, une boîte de désespoir. PHTK va jamais faire élection. Matéride au pouvoir, il fait 5 ans qu'il va faire élection. Jovenel au pouvoir, il fait 5 ans qu'il va faire élection. Il transfère le pouvoir à Ariel. Ariel va faire 18 mois, il ne va jamais faire élection. Et le style qui est le pouvoir. Le qui est le pouvoir est DJ Benel Sotil. C'est des néo-PHTK. Nouveau PHTK, tout le monde connaît. C'est clair pour tout le monde.
que je dis, tout le monde qui signe encore 21 décembre, c'est PHTK. Et nous connaissons PHTK par produit monde. C'est acheter l'acheter monde sur le marché. C'est acheter l'acheter monde dans le parti politique. L'acheter monde dans l'OPL. L'acheter monde dans la famille Lavalas. L'acheter monde dans SDP. L'acheter monde dans la Vision, dans MTV. L'acheter monde dans tout votre parti politique. Ça veut dire, je dis à nous d'accord que le pouvoir qu'il a, c'est néo-BHTK. Pas oublier, le réveillement qu'a fait sous l'échiquier politique. Le réveillement qu'a fait au niveau BHTK. Parce qu'actuellement, BHTK est éclaté. Et nous d'accord avec Didier Benel, qui dit que nous n'avons plus qu'au baron qui joue le jeudi à cap diriger BHTK, il est Ariel Henry. C'est clair. Parce que deux fois ministre sous PHTK, il est ministre intérieur sous PHTK, il est ministre affaires sociales sous PHTK, je dis à lui mieux placé pour remplacer tout le monde qui peut-être fait retrait dans la question politique. Et c'est peut-être ça le gros danger sous le pays. Parce que ça qu'a fait là, la manigance qu'a fait avec deux partis politiques, LDNP et PHTK. Pour qu'un pays dans la situation qui est. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons dit bilan, l'éclair pour tout le monde. En août 2022, nous quittons l'accord en septembre. C'est le plus gros accord politique en pays. Nous quittons parce que Ariel n'a pas respecté les revendications. Et nous avons dit qu'il a crasé. Et SDP a crasé l'accord. Nous craser, nous obligés à le prendre encore pas côté. Nous encore pas côté pour justifier la présence au président. Là, nous ne sommes pas capables de féliciter les dirigeants SDP, les militaires SDP et tout le monde qui conséquent dans le pays à 4 jours. C'est un gros combat. Et nous ne pas penser que nous devons craser à fond. Mais nous dit avec peuple haïtien, pas de miracle que nous ne pas capables. Mais avec le peuple haïtien, grâce à quoi nous avons battu les revendications et nous avons fait bataille avec le peuple de la Gonaïs. Et nous avons fait quoi nous avons pris les soins pour expliquer à la population pour qui ça nous décide et pour qui ça nous décide. Et la population comprend. Les tracteurs qui nous ont dit ça, mais ça qui est clair, pas de nous prenons à quoi qui est appliqué. Et c'est ça qui justifie que je dis à quoi ça n'a pas existé. Nous avons dit